DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. Ta fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Mukasai, il est 3h45. Nous tendons vers 4h du matin. Il est inconcevable que dans une ville touristique où il y a tout un gouverneur, un général, il y a le maire de la ville qui est un colonel, un policier, il y a le commandant région, il est aussi un général, il y a le général Falsi Kabo, le commandant des opérations militaires, et que nous puissions dire depuis 1h du matin jusqu'à 4h, dans des crépitements de balles, il n'y a aucune intervention militaire. C'est pourquoi, aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024, toute la population de Goma, bannissons la peur. Nous allons nous rendre au gouvernorat pour que le gouverneur Peter Chirimwami nous explique le pourquoi de ce crépitement de balles dans toute la ville de Goma. Il est inconcevable. En tout cas, trop c'est trop. Ça n'est trop. Il n'y a aucune intervention militaire jusqu'à... Voilà, Congolaises et Congolais, messieurs et dames, na pesi bino mbote. Bande ko boa kota la biso ndenge to lobaka na kisasa basala galiko panando kite, voilà les résultats. Là, vous venez de suivre une vidéo en direct de la ville volcanique de Goma. Il y avait des crépitements de balles presque toute la nuit, il y a jeudi, potoko malelo vendredi 12 juillet 2024. Alors, la responsabilité, on ne sent pas la participation, une bonne gestion, il y a gouvernorat, je peux dire gouvernement provincial militaire au sein, il y a province, il y a Nord Kivu. Chirimwami, vous êtes où? Le maire de la ville, qui est un policier, il y a ville, il y a Goma. Votre gestion est à vraiment une très mauvaise gestion. Nous avons le commandant chargé des opérations, le général Fall. Aujourd'hui, nous passons et nous vivons la violation de la trêve humanitaire, du cessez-le-feu, de plusieurs compromis autozoa entre nous, la République démocratique du Congo, et le Rwanda. Nous allons parler de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo dans sa partie est. Et nous allons parler maintenant de la nouvelle version Yamakambunengomotambola. Aujourd'hui, on s'est dit, nous sommes déjà à 7 jours, il y a trêve humanitaire parce que Bandaki vendredi, la semaine passée, le gouvernement congolais accepta qu'il la trêve. Et durant ces 7 jours, il y a trêve humanitaire, tout le monde comment est-ce que le Rwandais, le M23, la coalition na bango RDF et AFC, comment est-ce qu'ils va violer les cessez-le-feu? Ils avançaient pendant que nous, le FARDC et les Ouazalendo, Kimandoki. On parle de toutes ces révélations durant cette émission. Mais je ne serai pas seul. Moi, je suis en collé. Nambinganga Maele, l'analyste indépendant, il est aussi acteur politique de la République démocratique du Congo, Maître Claude Ngoma, Topé Siombote. Mbote mengi mopanze sango, mbote na bakongomani nyonso ba palangani partout na mokili mobimba. Et puis na pesi big salutation na mama Acacia, ministre des affaires foncières. Bandoubola, ministre des affaires foncières. Ou ayen énergie asika na vision asika calé autour des réformes. Donc na pesi mokakoswa. Maman, en tout cas, Ozali, maman, Ozana Mote, maman, Apeci Yombote. Alors, très bien, on y va avec les informations Oeza à notre disposition. Et toutes ces informations, Togo traité en haut dans cette émission. Togo Lakisa Bino, Togo Lubela Bino, avec images, vidéo à l'appui. Yamankambonion, celui qui n'a boutu à Judith, il est le vendredi. Kino Sikoyo, il y a de l'insécurité et la ville volcanique, Yagoma, Eza en danger. Alors, avec la première photo, nous avons. Des camions remplis de militaires et de munitions sont à Rwanda, destination République démocratique du Congo. Nous sommes là. RDC, des camions remplis de munitions et un autre avec des troupes de l'armée rwandaise ont franchi la frontière de Kabuanga dans le territoire de Nyiragongo. C'est la société civile du Nord Kivu qui l'annonce. Elle précise cependant que les forces armées de la République démocratique du Congo sont très bien
prépositionnés pour faire échec à l'ennemi. Là, c'est une information de taille et laissez-nous aussi vous affirmer ce matin que le territoire de Niragongo au niveau de la province du Nord Kivu est menacé tôt ce matin parce que nous voyons comment est-ce que les camions de l'armée rwandaise remplis de munitions et de militaires ont traversé les frontières de la République démocratique du Congo. La deuxième image, toujours avec mon réalisateur qui est ensemble avec nous, c'est bon, on y va. RDC, de la violation de la trêve humanitaire. De nouveaux affrontements ont été signalés ce vendredi 12 juillet 2024 dans les Massissi. Des sources locales affirment que les M23 ont attaqué les positions des FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo, en Bweru, un village dans les localités de Lubanda et de Luanga, dans les territoires de Massissi. D'autres combats ont également été signalés à Maoko, un village situé entre Nyangé et Luama, dans la chefferie de Bachili Mokoto, jeudi. L'armée congolaise et ses partenaires ont dénoncé le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en l'air privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Voilà, là ce sont quelques informations que nous allons exploiter et il y a aussi d'autres nouvelles concernant la politique à Kinshasa, Torosulola, la maître Claude Ngoma. Maître Claude Ngoma, la trêve humanitaire proposée par la Maison Blanche, les États-Unis, qui est au côté la trêve Moko à 14 jours. Après cela, nous allons essayer de prendre langue avec le gouvernement de Kigali. Mais pendant que la FARDC, et les Wazalendo, Zongakima Mukesima, mais nous voyons comment est-ce que l'armée rwandaise, notre partenaire, notre M23 et les AFC, allait avancer. Est-ce que c'était une bonne décision pour le gouvernement congolais à accepter la trêve humanitaire proposée par les États-Unis d'Amérique? De prime abord, laissez-moi d'abord que Congo Mbokananga est victime de la complicité internationale. Et jusque-là, le dirigeant Nabiso Bazoko Kakosa la lecture au Wanate. Trêve humanitaire décidée par les Nations Unies, Ezala qui pona kola l'isabiso pongi, pour que ba yini nabiso ba dongolomiso ba kota lisusu bazo makasi bazo ba position ya makasi pour que enfin ba koka ko matérialiser idée na bango tope ba projet na bango ya mabeba ya nango pona ko balkaniser mboka ozeli omona. Et ngata na kota la ke même gouvernement nabiso andima ki yango na bopete na lobi mais tozan na ba dirigeant nini eloko wana to kwa ki ko accepter yango te. Pourquoi? Tout simplement parce que Touti a plusieurs négociations. Luanda 1, Luanda 2, Nairobi 1, Nairobi 2. Tokene loko ba benga ango soki EAC, ça nous a rien donné jusque là. Par contre, pays nangai ndembo kanabiso Congo nde eko ben ko bungisa moi miniele ekolo moko moko ezokenda. Mais est-ce que tokoki à chaque fois que Tezini a lobby? Est-ce que tu es obligé à que tu sois au lobby de la ton Nations Unies? Moi, je pense qu'à un moment donné, tu es comme un gongo ya souveraineté de la Bissot, ou tu es mbaka, ou tu es la katolo, il fait mata. Il fait mata, bisoti, tu es comme un asiko yoke. Batoyo, bango nyonso, basangani na bondoki pona, koloka Congo, pona ko balkaniser Congo. Awa, ozo landango yomoko. Violation ya trêve Kigali ya boyko tempéré nango abandi ki violé oyoki Nations Unies akosoli alobi lo côté aucun communiqué ebimi na ngambo ya Nations Unies, aucun diplomate étranger a condamné yango bazotala yango na misu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a la canisse que, au nom de la souveraineté, le président de la République doit hausser le ton. Le président, M. Félix Tshisekedi, doit en tout cas tourner cette page de la trêve. Hausser le ton, cela veut dire. Hausser le ton, parce que Kagame n'écoutera que le son des armes.
Alors, qu'est-ce qu'il faut? Tous ces lassusunis. Ngana mona ke effectivement le président de la République Liboso ya RTNC déclare la guerre na Rwanda. Par quelle procédure? Mais la procédure est établie par la Constitution. Du fait que seulement le président va devant la télé nationale déclarer la guerre à Kigali, vous allez voir que toutes les ambassades, ils vont se mobiliser. Parce que era ba discours ele ki. Olanda ki ministre na bango affaires étrangères mama baloba ki na biso dernièrement ndenga critiqué ki président de la République. Kozala munene za koza makasite. Ah bon? Est-ce que ngai to congolais moko ko sepela to ko soutenir ba propos ya il y a ministre étranger rwandais des affaires étrangères rwandais? Non, quelque part le président est sacré pour nous. Attends, tous ans ba problème na biso na kati mais yo mutalibanda ko yate ko kota. Et c'est pourquoi ici, moi, j'interpelle Nazo Senga, toutes les forces politiques, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, société civile, les corps intermédiaires, Bissonyosto Sangana, parce que Mboke Komokende. Tobi Mananou n'a pas, je m'excuse, Tobi Mananou n'a pas position, oh, Bissoto Anango, Nganazali, Fayoulou, Nganaram Tesside, Nganafulani, T. Parce que ce qui est le Congo, c'est l'opposition, c'est la majorité, c'est la société civile. Très bien, oui. Pourquoi ne pas bisonner tout ça, la bloc? Le président de la République, pour te bouter ennemi, pour avancer, hors d'état de nuire. Parce que ceux qui bisonner tout ça, même infiltration, bateau va infiltrer au banc. Force na bango, ils ont une division en interne, il y a classe politique. Voire même la société civile, le lieu, comment il y a opposition. Il y a majorité. Alors, tout se remettre en cause, Bissomoko. Alors, oui, maître. Lelo Koyoka, la représentante, ya secrétaire général à la Nations Unies, la RDC, Madame Bintou Keïta, Kolobake, l'insécurité ou encore conflit ou isolé opposé République démocratique du Congo na Rwanda ne nécessite pas de démarches ou encore ne nécessite pas des actions militaires, ça nécessite des actions diplomatiques. Est-ce que Lelo, on peut donner raison na Madame Bintou Keïta Kolobake, armée congolaise Evanda Epema, armée rwandaise pe Evanda Epema, tout sur le rwandais na monoko, pour aussi dire sa conflit où ils en a parti est la République démocratique du Congo, parce que ça nécessite plus le processus ou encore les procédures pacifiques et diplomatiques pour aussi dire sa guerre rwanda. Mais yo singi biso que tu sais que Azoa RTNC a prononcé déclaration de guerre. Mon cher ami, la République est en train de chavirer. La République est en danger. Madame Bintou Keïta, Yamonisco, na discours ya lobaki soki ngai nazaki ministre des Affaires étrangères ngai na répondre. Soki ngai nazaki porte-parole ya gouvernement na place à Mouyaya ngai na répondre. Eza ba discours oyo na Nations Unies ba traça ligne éditoriale na bango ya kolalisa biso pongi. Voilà. Je vous dis parce que ba Nations Unies ba organisation régionale to pe sous régionale nyonso ba la kisi ba limite na bango nyonso c'est toute la ligne na ba table nyonso en négociation. De quelle négociation elle va nous dire? Luanda. Mais non, ça n'a rien donné. Que reste-t-il encore de cette fameuse feuille de route ya Rwanda? Ya Luanda. Oh bah ben qui que ceux qui bah M23 bah se retirer te na camp initial na bango bah vous allez frapper oyoka bango bah exécuter feuille de route toi. Donc en fait bazo duper biso RDC bazo distraire biso, nous devons hausser les tons, faut tous en attendre moko serré mais non sans au lieu que tous à connaître bah sango bah betim bata biso koto communiquer te lobi non poto bimana katia situation oyo. Et aussi, on a besoin d'union son interne et tout ça, la bloc derrière le président de la République pour que enfin, l'union son communauté internationale va comprendre que le peuple va la diviser, mais pour l'école, on a besoin de combien de monde. Voyez-vous? Donc, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Tobandole Kaka, non, vous critiquez Félix. Et mais non, le président de la République est en train de se battre. Mais malheureusement, il est seul. Il est seul. Mais il est par rapport à l'insécurité Zoleka, qui est dit Fayoul. Nous avons dit Zoleka, position Fayoul.
Moïse Katumbi, position des Anina, Onion Sezo Leka, Mbok est menacé. Leur position, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent à la République? Mozito également. Et c'est pourquoi moi, j'en appelle, na conscience, il y a ma politique nuançon. Sortons de nos clivages partisans. Voyons l'intérêt primo, l'intérêt général de la nation. Parce que les lois sont beaucoup écueillies. Na royo ka sou politicien moko loba ba no critiquer. Oko critiquer frère na yo parce que c'est lui qui gère aujourd'hui le pays, mais alors qu'une partie de la terre est partie. C'est de l'inconscience politique. Ça c'est être inconscient politiquement. Aujourd'hui maître Claude Ngoma Bazali ko loba ke Tshisekedi a commettre une erreur grave, il y a ko longola Jean-Pierre Bemba na défense, il y a ko tcha quelqu'un qui ne maîtrise pas les affaires militaires comme le vice-premier ministre, ministre y a défense Guy Kabombo Modianvita Bouchala Bwamba. Barabi, il a, c'était une mauvaise décision à Kolongola. Bemba, côté de la transport, côté de défense, et père Moutoumoussou, soit Ebi Mabele, Este Malamouté, cartographie, Este Malamouté. Est-ce que vous allez partager et le Kola Malamouna, Bandeko Bali Kolobabongo, parce que Bemba était là, Kanyabayon Gezalaki Abisso. Qui roule Abisso, certaines localités Zaki na Mboko na Abisso, mais est traversé déjà na Mboko ya Bapaya. Est-ce que c'était une erreur grave ou tu sais que dans Salaki? Ezali erreur T. Ezali erreur T. Ezali choix ya Mokonzi. Mais ça dépend et aussi. Un ministre. Yakopo na ba expert, ba spécialiste na ba point donné. Non, mais laissez-moi vous dire, un poste ministériel, c'est un poste politique. C'est un poste politique. Ceux qui sont experts en matière politique et en matière y a l'armée, c'est que vous avez été militaire. Bemba n'a jamais été militaire. Mais tout le monde a une photo Bemba n'a tenu. Mais non, c'est un chef rebelle, il n'a rien à voir avec l'armée. Bemba ne maîtrise pas l'armée, il ne connaît pas l'armée. Ce n'est pas du fait qu'il y a cause à la chef militaire et chef rebelle que Epesion Pifo, il y a cause à l'armée. Kabila n'a pas à la qui militaire. T'es. Non, Kabila a la militaire. Kabila zaki militaire ndeko ko koma mokonzi sima nanzela ya démobilisation tout balatsaka eteni te nanzela ya zamba po ba koma na kisasa te mais même ta balatsaka eteni mais au moins awa a joué un rôle moko ya chef d'état major ya force terrestre donc c'est un militaire to robo il a ngote mais Bemba n'a jamais été militaire. Bemba na gi Modianvita Kabongo bango nyo pa ba civil. Ce qui est le cas, c'est que les gens qui ont été erreurs, ils ont une expertise dans le domaine de l'armée. Et pendant qu'il était là, quelles sont les prouesses qu'il a fait? Non, ce sont des questionnements. Ce sont des questionnements comme ça. Moi, j'ai réfléchi à s'élever, à haute voix. Et donc, dans la minute, bateau bazali comme on a kabazo lukaka toujours comme on a erreur tata mokonza sali erreur Félix a sali je sais que da sali erreur mais l'air bino bozo luka bon mon erreur mais vous n'aidez pas votre frère non tu ko peso lisese moko tozana kati andaku munguna eko bundisa ndeko nangai et c'est pour autant fana kote la mundi nani munguna jamais. Ba ménage na biso akati salité na biso akati. Oui, to tiens on a mupandi mais yo il faut sentir biso que to ali bloc. Et c'est pourquoi nazo insister toujours. Bloc moko il fait salema, ya ba force politique nyonso, ba corps intermédiaire, société civile, biso nyonso o to lo bakali ni son. To bouté ennemi dehors. Et moi je pense que le président de la République, il est le premier à donner le ton. Bosso à RTNC, que le président de la République nous tienne un discours menaçant. Parce que trop, c'est trop. Tokei, to lobby, tokei na ba table bela négociation. Ba koko s'abuse toujours. Tokei même na Sadekao. Sadeka lobby non, aza en difficulté, moko moyen, akenda na offensive ezate. Aika mission d'observation. Bo oyako salani. Importance na ezani. Importance yani. Pobiso toko luka bato yo bako yako pesa biso mabou. Et moi je pense que si le président de la République aujourd'hui, devant la RTNC, déclarait la guerre avec le Rwanda, il y aura des partenaires naturels, oyo, ya sous-région, bako yako pesa biso mabou. Ils nous viendront à l'appui logistique, est-ce que voire même militaire. Est-ce que le président sera soutenu avec cette décision d'aller Kolobé là, dans l'Assemblée nationale avec Kamere, dans le Sénat, au Badana, dans le bureau provisoire? Non, mais écoutez,
Le président de la République, c'est lui le garant de la nation. Mais il y a une procédure, maître Claude Ngoma. Yoza Mutamibeko, non? Parce que dans la Constitution, il y a une procédure dans la Constitution. Que le président peut aussi déclarer la guerre, tout en respectant la procédure établie dans la Constitution. Président, il faut que pour déclarer guerre, il faut qu'il y ait des chambres à parlement, non? Ensemble avec le Haut Conseil militaire, comment on appelle ça encore? Conseil supérieur de la défense. Le président, après avoir couru Kabango, il peut déclarer la guerre. Ça, c'est la Constitution. Sans consulter le Parlement. Mais non, il va consulter le Parlement. La Constitution ne parle même pas. Il n'y a aucune disposition. Il sa président, il faut consulter le Parlement. Non. Oh. Faut enlever l'Arabie sur l'Assemblée nationale et Sénat réunis en congrès et pour donner l'aval au président de la République de déclarer la guerre. Il faut encore que tant à ma disposition. Mais moi, tout ce que je sais que, d'abord, c'est le Conseil supérieur de la défense. Osons-moi. Bah, il y a plaisir de l'aider. Mobutu, na 76, Azaki na armée, te moba 1, moba 2. Azaki na armée, mais armée, vous avez quand même Mbappé, n'est-ce pas? Mais Mobutu avait quoi? Asenga qui va mercenaire. Il y avait des Marocains et des Français. Bah, il y a qui Kobunda, côté Nabiso, parti où on a école Kendate. Et c'est comme ça que Mobutu a l'obagi, même s'il faut refaire le pacte avec les diables pour refaire l'unité du Congo, je suis prêt à le faire. Mbongo, Congo est un imbokate, est un imbongote. Pour tous, on va mercenaire, tout fout à Bango. Et ce ne sont pas des mercenaires ou abonnés, non. Entre États, bah, est-ce que vous avez dit que même Awa, dans 90, dans 2000, avant Moussa Koufa, l'ère bah, M23, et ça M23, c'est RCD. RCD, voilà. L'ère bah, Kotaki, Moussa Sagini, Azouaki, bah, Namibien, Naba, Zibamboyen. Boye, bah, écoutez la République combien? Plus de 2 milliards de dollars. Que Moussa a foutu qui des pays ouan. Est-ce que l'euro Togo ça l'a monté? Mais tu as déjà battu EAC Bayeki avec la force régionale. Moi je ne vous parle pas de l'EAC. Tu sais ce que je dis, non? Battu EAC Bayeki Simbiti. Battu Sadek Yomoro Tukoloba. Ah, Balinga y'a Bango offensivité. Bayeki na mission d'observation. Est-ce qu'il faut retirer la Kamouté Mana Bamboka Libanda? Toche la Mouté Mana Afrique du Sud na Zimbabwe Nengo Lobby? Ou encore? Les lots ali ko tombo la peko kumisa armée na biso fardese ba wazalen de l'autre côté, pourquoi ne pas miser des moyens tout autour ya ba fardese na ba wazalen de ba bunde longo? Non mon cher ami. Musée atikala ko zo organisation sous régionalité. Musa kenana na Sadek te po ba bunde la biso. Musa kenana na ba pays. Tu sais qu'il dit akotala na ba pays oyo baza frère panayé akosenga bango apui. Et c'est conditionné la moins bon ou la moins enveloppe à côté sa bango. Parce que les organisations sous-régionales, bango moko baza jugé parti. Bah, il dit que c'est Kagame qui agresse les Congo. Est-ce que si bazo ba sanction contre le Rwanda? Même à tes locaux, on est simple pour te réfléchir. Pour te jouer non. Mais Mouze, à Salakanini, après que stabilité est comment? Avant Babo Maé. Azui dossier oyo l'air à longue à Bengani ba RCD a même en goti liboso a messe à Sadek. Je me rappelle les ce 17e sommet à Sadek ou quoi. Museveni azalaki wana, Kagame azalaki wana. Musa lobby s'il y a l'instabilité dans les grands lacs, voilà, c'est Kagame et Museveni qui sont à la base. Boye séance tenante. Et c'était la même séance oyo Kagame na Rwanda ba bengana ki bango na Sadek. Et Museveni humilié à Silice conférence à Télémi Abimi Akei. Parce qu'il était pointé du doigt comme ça. Avant que to bando ko assister na ba mesa nyonso. Il y a négociation. Ndenge bazo senga biso to négocier, mais to négocier te na bango. Et moi je vous dis, la personne motonete nanga et sengeli na ye un jour to kangaye azala pandi awa na stade de Martin. Pour kangaye ba avec quelle procédure? Mais, papa, tango mwana moko ya mboka akei ko comploter contre ennemi et tumbu na ezali liwa. Et
un jour, moi je l'ai dit, même moi un jour si je devenais président de ce pays, Nakola Moussa dossier Oyo ya haute trahison. Nanga sera pendu ici. Mais tout le monde a bandé connu ce bazouan zela nanga zuilelo. Comment va vice-président Namboka Oyo? Tout le monde a roubé Oua. Bakendaka na position Oya Nanga. Tout le monde a Jean-Pierre Bemba. Bakendaka na procédure Nanga. Comment va vice-président A? Bakota na kati appareil politique Nabiso. Comment va Konza Kinshasa? Parce que le lona Congo est comment? Po Ozoa Bokonzi Kota Zamba, Simba Minuki, Latisa Babilenge Teni. Kinshasa ekoyo kayo ekobenga yo borosolola ozuma parcelle de pouvoir na yo kasi yango nande sikoyo komangi faiblesse ya Congo babi ke sona leki na sima manduki na koya kokoma dirigeant na Congo ba kopesa ngai ba poste na kozwa boy c'est comme ça que nanga kei et porte y infiltration yango na tant que communauté internationale yo ba ton négocier na ba M23 ton négocier na bango le côté ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Oh, bazan na batuna bango misu bazawa. Wilingo maza Rwandais. Mais je vais vous dire. Kolanda ka ba kombo anate. Azando ina yo, non? Non, azando ina nga fabriqué. Photo tala ye bien. Yo se mona ngoma bongo. Nayo ka za soki mutu ya mbanza ngo ngona kombo. Non, ngoma ende ngwana ala kate. Biso to ba bantu. Wilingo maza bantu. Amuntu. Même na kati ya gouvernement oh, eza ko bomba te. Et ça, ma communauté est belle, oh, bah, ben, ah, bah, ben, ah, bah, ma communauté, bah, ben, ah, bah, on va nani, non, tout y. Bah, ça, ma minorité, les tout y consort. Mais, bah, ça, bunda, pour la rebattre la côte, en abango. Mais, ce qu'on t'a dit bien, ce sont toujours la même communauté, oh, ils ont posé ce problème dans l'Est. Et ça, les gens, bah, y'a qu'à son idée, ils ont beaucoup cannabis, oh. Vital Kamerhe a confirmé que na Assemblée nationale il y a plusieurs Tutsi, na gouvernement congolais il y a des Tutsi. Mon cher ami, et ces Tutsi, il faut pas vivre paisiblement na gestion bokaneng ba ko travail. Mon cher ami, Vital Kamerhe l'a dit na Canada. Waneza Vital Kamerhe lobiango na Canada. Botuna botanga ka histoire à Congo. Botanga ka histoire à Congo. Les Tutsi n'ont jamais été des Congolais, ils n'ont jamais existé na terre ya Congo de 1817. De 1900 De 1990 à 1817, Bazalate. Tolongwe Susuana. Oromona que parmi les 17 tribus répertoriées dans le nord, dans le Grand Kivu, les Tutsi n'ont jamais existé. Tout ça, les Rega, les Tutsi, les Non, les Rega, les Tunabiso. Les Tunabiso. Les Tunabiso. Les Mouchi. Les Tunabiso. Mais les Tutsi, je l'ai dit, nazo bande langwawa. Oh, il va se sentir mal à l'aise dans la vidéo. Oh, nous avons insisté. Boza la kayabi sauté. Pourquoi ça a la communauté? Mais écoutez, mon cher ami. Les Banyanga sont ici, non? Au Congo central. Au Congo central. Baza na Angola. Oui. Baza na Pointe Noire. Pourquoi bi tombe bi ma boete? Koton minere zate? Koton kite yate? Les Bazombo ici. Oye bi Angola, tu veux partager na bango combien de provinces? 4 ou 5 provinces. Il y a Moulaï, il y a la frontière. Congo central, Grand Bandundu, Grand Kasai. Si, à côté. Donc, ce que tu as dit, mais quand est-ce que tu vas dans la banque? Mais pourquoi toujours la même communauté bango va te faire le cas? Alors, Nzela ya malamu izali ke nanga loko la keko soutenir cause ya ba yini na biso. Un jour, il faut ba kangaye. Il faut ba kangaye. Pour épé sa leçon, il sera pendu ici. Alors, mais épé sa leçon là-bas, on y en sera kenda. Oui, faiblesse, il y a force à Kagame Yanni. Yanni. Kagame pour accrédibiliser thèse naïe. Pour le bakeza, affaire moko Congolo, Congolo, a sous-traité ka toujours ba Congolais. C'est un mois sous-traité yo, aye a tiré au patron na yango. Qu'est-ce qui a fait que Alliance Wana, yananga na, e, na, 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 M23 babalan. Et puis là, babalani. Bazu nanga batie liboso. Donanga ndé akoza la le patron M23. Mais c'est ça, yende mutabimisko au patron na bango nyonso. Pour accrédibiliser maintenant thèse. Oyo Kagame za ko lobake, les affaires ba congolais, ba traitant au bango. Ndenge sala mara na FDL. Alors, bazu Laurent Désiré Kabila batie liboso. Mais c'est ça. So tant wana c'est l'ekisko poto kate loko wana. Et sengeli que yo trahir. Ba traqué ou ba kangi ou ba yena yo. Mais si ko eko zala possible comment maître Claude Ngoma Toyambi na plateau na biso parce que lelo pona ko kanga nanga
Lelo pour réussir situation au deux ans yango ils allaient vraiment très calamiteuse au niveau est la République démocratique du Congo. Il faut avoir d'abord une forte armée na biso moko avant to compter na ba armée étrangère monsieur Koyeko ya kocha biso maboko. Aujourd'hui nous avons l'armée congolaise les FARDC, la FARDC au singulier, mais le problème se pose plus na province ya nord qui vont na province ya Ituri. Lelo to ki déjà na troisième année yango que les deux provinces sont sous état de siège. Maintenant, prenons d'abord le cas à la province de Nord Kivu. Otomoni, tout au début, il y avait un gouverneur militaire, tout juste au milieu. Otomoni va changer de biso gouverneur militaire, va changer de biso Chirimwami. Ozo jouait intérim local là, gouverneur militaire, il y a province, il y a Nord Kivu. Toza la maire de la ville, oa, qui fait partie de la police congolaise. Toza les sous-sous-na ba généraux chargés à mobilisation, à commandement, à opération dans la ligne de front. Baza ya armée congolaise. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il faut continuer avec état de siège? Ou encore changer simplement les têtes d'affiche et état de siège? Ou baza la 4 armée congolaise. Ou peut-être ba congolais moussou barou mobite la bisou li solo. Ya traîtrisme la 4 ya FARDC. Parce que pendant que Chirimwami est là, de perdre Kanyabayonga, de perdre Kirumba, de perdre Nyange, c'était avant-hier ici sous état de siège. Est-ce la le problème c'est à Kinshasa ou bien le problème se situe au niveau des provinces? Le problème c'est l'organisation de notre armée. Au niveau de Kinshasa ou bien au niveau des provinces? Je parle organisation de notre armée, l'armée en général. Armée Batonga Kayango. Et que ton armée et que Zouabino battant et que Zouabino bané. Mais tant que Omonike Nazali na situation moko ya insécurité, okoki mambangu na ba pays otobenga ka les pays frères. Bakoupe so ma pinga na bango, bakoya, basali boulot, bazongi si kimia, bango bakei. En entendant, ils ont ton armée na yo. Tu qui n'attends Ouganda pe sa biso ba militaire. Non, moi je vous parle les pays frères et sincères. Quand on est là Ouganda, mais Ouganda est un pays frère. Tout ça n'avons pas voisin. Ou bientôt qui n'est pas sa sous Awa na Brazzaville. Ce sont des frères africains. Moi quand je vous dis frère, c'est na vrai sens ya mo o babenga ka frère. Un frère qui ne peut pas trahir son frère. Un frère qui est prêt ya kokota likambo ya frère na tout en fermant les yeux. N'a pas son exemple, Moko. Président, c'est ce que dit, Azan a une relation, il y a bien. Na Idriss. Idriss Déby, ouais. Moi, na Idriss Déby. Déby Junior. Azan a une relation, bien. Au moment même que le président a été décoré là-bas. Oui, oui, Bapé Sipa a venu, moi, on a jamais, na combo na eu. Voilà. Donc, ils ont l'accès à que Azan a une relation, moi, sincère. Est-ce que Lelo, ce qui président, a sengié aide? Bah, au pire, mais là, dis-moi un peu, bah, au pire, mais le président a une relation à Malamu na ba Sud-Africa. Et le Congo, ils ont une histoire moko liée na Sud-Afrique. Parce que, na libération ya Mandela, Mobutu avait joué un grand rôle. Tilelo et Tikala na politique sud-africaine. Ce qui se sait que Tilelo a sengi aide na ba Sud-Africain. Bah, au pire, mais le voilà biloko nga na zo kanisa po totika biloko yo to kata yango mbala moko et tango eza bongo le président de la république esengele akanga matoi na ye na onyon se tali makele les obimana nations unies ba organisation tout union européenne alanda bango te c'est l'entourage du président qui pose problème de bazo conseiller malamu te parce que sora yagi na batomi balemi 6 7 8 10 comme Kabila réclamait à son époque de l'état dans la situation au te c'est l'entourage qui pose problème. Bon, quelque part on pourra dire aussi l'entourage, mais ce qui l'entourage propose problème, mais qui choisit cet entourage, c'est lui-même le patron osomo mais ngana ngi kokota na biloko wana te ngana zo pesa kaka makanisi ce qui ngana zaki Félix. Parce que même à un moment donné, n'abissez que, on monte Kabila au moko. Attends, tu finis Kabila en dengeni. Attends, tu critiques en dengeni. Tu es barabola moi, mutu. Le quoi, mutu n'en a profité. Tu es baro PC ango tangwazan bon moi. Maître Claude Ngoma nazolo bama kambo. Ngam nazolo bama. Oh. Bakanga maison Schengen au pona. À un moment donné, président,
Ce que Monique et moi était, continuer à dire, continuer à clair les pongi. Mais il faut que nous soyons en mesure, moko oh, peut que nous faire reculer bango. Et que bon mambo en ambition zalaté, parce que nous dépendons de l'extérieur. Papa, maison Schengen et Kangama, tu as fait une zala. Mais mon activité, monsieur économique, est à voilà. Non. Par contre, comme biso ba politicien, et zalaka so yibimbongo, ok bon bana wa compte na bango banque. Nde bango ba jela kaba bien na biso kuna. Kabila boya bango. Et tu sais que de 2015 à 2018, 3 ans, Kabila voyageait. Au sommet des Nations Unies à Kendarate. Au ni la Kendarate. Oui, mais pourquoi? Mais en gros, là, les sages pemboka coach, c'est que dans les zones simbo, on a vu ça dans concert des nations. Mais bazo écoutez, bazotang à Congo presque partout. Écoutez, bazotang à Congo presque partout dans Mboka Mbapaya. Bolobi Congo est zone un concert des nations. Mais l'air Kabila zagi Congo est un concert des nations, t'es Bounagan est zagi na Congo. Je ne viens pas ici soutenir Kabila. Bounagan est zagi na Congo. C'est vrai que insécurité zagi, mais il y avait à calmer. Il y avait à calmer comment mettre Claude Ngoma parce que il y a un accord de 2009, CNDP, un accord encore de 2012, M23, où c'est d'acquis une parcelle de pouvoir na Rwanda. Nous prenons le cas à la province ya Nord Kivu. 39% des commandements militaires ils allaient qui du côté Rwanda. La province de Sud Kivu, 37% des commandements militaires avec le système territorial, la régie financière. Donc Kabila a balkanisé qui déjà parti Rwanda. Naba accord CNDP na M23 ya Rwanda. Kagame chaki na se amana yekozwa or nenga yekozwa et c'est à cette époque là ndé batanga ki Rwanda parmi les 5 pays producteurs mondiaux ya or. Ndekonanga pendant que sol na eza na or te. Ndekonanga tozana etando monene. Balandarabino Mingi, c'est de l'histoire. Merci. Oui. Cet accord n'a jamais été exécuté. 2009-2012. Ça n'a jamais été exécuté. Matière, je vous laisse le micro. Pourquoi? Parce que, Onyon Sezala Kiwana, Tangwekei, l'ancien président nigérien, Olusogun Obasanjo. Obasanjo, voilà. Ayaki Kolobelo, Komoka Biba, Congolais, Bozandengeni. Rien que kaka interpellation ya président wana yango ya kikocha frein cal na kor oyo batu bayembaka yembaka o batikala ko exécuter ngote bo signé mais il faut ko exécuter yango pour bo exécuter yango faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement et les lois organiques oyo ekoke ko organiser ba entité mususu ndenge batiaki na kati ya loi wana na kati ya kor wana à moins que mutu mususu abima contredire ngai. Ce qu'accord on a exécuté. Batigala ko exécuté en côté. Et voire même les babenga bango banani, ba soldats au rwandais, ba rebelles rwandais, les FDLR. Yango sala que Kabila na Kagame babebana. Et babebana rapé a perdu mon. Mais je vais vous dire parce que Kabila lobi bon, yo lokolo baba FDLR bazawa na tikeli yo kotsa ba soldats na yo. Baya kokanga ba FDLR pananga. Et l'armée rwandaise, et ça la 9 mois awa. Bakota. Je vous dis, et ça histoire en Mboka na biso. Mais c'était une bonne décision maître. Yoka Lobakasi. Bakota awa sous commandement ya ba FARDC. Bakoti ti pendant 9 mois. Bakangata FDLR mokote. Bazongi si bango. Bango nyonso bakota. Bango nyonso bazonga. So parce que nani ba opération bazao sale za ki contrôler na FRDC après 9 mois ba moni ata FDLR ba kota ki 50 ba bimi 50 bangonios bazongi l'air bazongi Kagame lingi ko changer vers Kabila au seton à son temps je ne veux plus entendre parler des FDLR dans mon pays c'est comme ça très bien yango moni ke ba bebanaki yango moni ke ba bebanaki. Donc, l'isolo ya Congo, tobe tarango, omoni histoire hein, ya Congo na biso, surtout biso beto ya politique. Toye baka ko simba ka yango, parce que, eko kitaka pe na ba génération na biso. Très bien, oui. Eko kitaka pe na ba génération. Infiltration, ce n'est pas Kabila ici. Infiltration, c'est depuis Mobutu. Et le lobo lobo te Kabila, bo lobo te Tshisekedi, non. C'est depuis Mobutu, e bandi ba racine na ngo kuna.
tant on a dans nos communautés ou à tous ces zakati yo comment école mobimbe ko botama na 74 ah donc les banyamuleng et tout ça babotami na 74 sous la reine de Mobutu et puis mutabimi si kombo wana ya banyamuleng papa ya Alexis Gizaru ou azale le ministre ya infrastructure c'est de l'histoire dans mon Congo Naza awa depuis mes ancêtres. Bango ancêtres na bango bazal. Et cause nationalité congolaise même par acquisition même par nini. Ezan ngo problème té. Même so oza tuti olobité naza congolais. OK mais yeba koza mabele té na Congo. C'est comme ngai mo ananga za na Paris bap. C'est un français. Mais na mabele ba français za mabele té. Il est français du point de vue des droits. Mais sociologiquement, ça français était. Mais nous avons des députés belges d'origine congolaise. Oui. Mais en Belgique, il y a une dame qui est même députée là-bas, mais oui. Aza d'origine congolaise. Oui, oui, même Aza Bongo. Hein? Bango, ba institution na Bango, donc na ba nini, système politique na Bango, ils ont tellement na ba verrou et belé que okoki ko sale la mboka na ote. Au coquille qu'on sale la mbokano d'origine. Je vous donne l'exemple Obama. Il est de souche kenyan, africain. Mais il est là comme un président de la République. Système politique na bango, dis-moi, et permettez un Obama tonga Kenya. Et jamais. Alors, biso ton système politique. Ni. Kenya avait profité de l'autre côté. Et profité de l'autre côté. Mais pas dans biso ton système politique à Mabé. Lelo, un août, tout ça, président, c'est un mbokano biso, tokoufi. Bago matérialiser maintenant plan na bango nyonso. Mais azota assemblée nationale ce n'est pas un problème hein. Non, même assemblée nationale bago soukaka na ban. Bako comme na biroté. Bako comme na biroté. Parce que bango mo ba reconnaître ba se victimiser ka ke bazali minoritaire. Ngana tout na ka toujours bango. Boye bisanga école nino na Congo za majorité. Ils ont raté. Ils ont raté. Parce que bino neni bako comme minorité. C'est que bosa ba kuya kuya. Parce que ba mongo pe baza minoritaire na kwa mongo. Na kwa na bango. Ba nande baza ba minoritaire na kwa mongo. Ba Congo ba manyanga ba nani ba zombo baza minoritaire na kwa na bango. Ba bisanga tribu moko na Congo. O eza majorité. Les akate. Oso comprendre. Donc ba tuti o bazali ko siéger na parlement ba ebake bazali ba député national mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Est-ce que c'est normal le bazala ba député national aujourd'hui? Non, du fait que bah la gestion à la République. Du fait que bazwa qui nationalité na biso. Kozo nationalité za ko peso mabelete. Faut te ba ko ça distingo bien. Moi là, so na zongé pa na ngai. Nazana o ko boku benga so na ke pa ba mama na ngai, nazama belé ya ba koko na ngai. So na ke pa ba papa na ngai. Nana mabelé ya ba ancêtre na ngai. Bango mabelé ba ancêtre na bango za. Na minembwe. Te zaka ya bango te? Oh. E zaka ya bango te? Et tu sais tout ce que Rwanda fait? Tango ko ta bomia bomia bomi, azo dis azo ko komema ba population na ye azo ko tika bango wana. Dis-moi un peu comment on rose un chef de terre, ton chef coutumier moko, ya tout. Awa ko za la te? Nord qui veut baby makasi. Là je parle sur le plan sociologique. C'est sur le plan sociologique, ils n'ont pas de terre au Congo. La terre au Congo, ezali pona ba o ba koko na bango bazala awa uta Congo e botama. Uta Congo e botama. Mais lelo constitution ya 1960 elobi o union son indépendance écoutier awa aza d'office Congo congolais. Chancelo ko pamba oui ba o bazala ki ba Alexis Giba père ba Alexis Zaro ba bazakia bazaki ba koma ba congolais mais tso okomi congolais za mabelete ko lukato za mabelete okomi congolais du point de vue des droits mais sociologiquement za congolais te po ba souche na yo ba kokono baza awati bolobara you sangini you solisa solisa ça va ouais ba kokono a bazate et donc eloko yo ngala lobaki ya mona obando sala campagne na yango pour te décourager, ben infiltré. Te décourager, ben onion, so bazo kende. C'est pourquoi moi j'insiste, président de la République. C'est la biso ba batterie, nyon so marche.
Nanga doit être pendu ici dans le stade de martyr. Mais pendant qu'on pendrait, il faut rejoindre. Chirimoni, on va rejoindre. Non, à rejoindre. Mais si bisous les lois, boy, ville, ya goma, na boutou, et zala qui pas moyen. Non, c'est quoi? Les lois, la population civile, bah, aller qu'au sur qui l'était. Dis-moi un peu. Ceux qui n'ont pas de patriotes, aligné Mbokanaï, pourquoi pour Azwa Bokonzi, Fandi Massima Mandouki, aboma ba compatriote naïe, pour yé le bé à Azwa Bokonzi. Et Tumbo, bisous, tozo bundao, tozo bomanaï. Tozo bunde tumba pon e kolona biso de façon démocratique. Alors yo le rondi mio simba manduki. Eza tangwana c'est le cas. To rondi mali sou souté. Et c'est pourquoi moi je demande au président de la République. Conseil na pesio yangwana. Papa Mokonzi. Tika biloko ya ba sous-région, organisation sous-régionale et tout régional. Boya yango. Solo lana homologue na yo debi. Apeso ma logistique apesa yo makokio ebungi même appui militaire s'il faut bango bazwa commandement des opérations pesa ngona bango parce que bango na biso toza na frontière te bango bako ya bosel la biso boulot po eloko y infiltration de mon cher ami lelo bakoki ko changer le gouverneur militaire maire ya ville bako changer bango nyonso malade érotique. Ce n'est pas les individus. Il faut démanteler les systèmes. T'es pas sur ta base généraux, y a Congo central, les provinces, non. Bâtir des bangwa takunate. T'es même sur bâtir des bangwa kuna, bo changer qu'à ben individu. Problème c'est ça, qu'on démanteler système où ils allient et tondi sami na bayini. Misusu même bazana Kinshasa. Misusu même bazana Kinshasa. Oh, bibi loko misusu, tant on nanga loba gavi, oh, bangwa bazo loba. Ce qui est en train de se faire, c'est que je suis en train de se l'institution. On a un langage politique qui est en train de se faire. Mais ce qui est en langage politique, l'air n'a pas de service, il faut que le boulot soit en train de se démanteler. Où est-ce que tu as parlé? Comment est-ce que tu as parlé de ça? Mwanga chouchou. Est-ce que tu as parlé de ça? Il y a comme un patron. Mais tu as dit que le siège n'a pas de la députation, il y a un député pour soutenir l'Est. Alors, si tu as un bon bazé, si tu as un service, il faut continuer le boulot pour que le ministre soit un chouchou 2, 3, 4, au bazan qui chasse. Et il y a comme un régime anti-sécurité, un régime acharnement, un peu comme un kanga, un peu comme un salabou. Attends, si tu as un acharnement, mais service n'est pas celle-là, tu sais que l'item t'a connu. Il y a service. Tant que tu Salomon, tu sais que l'item. Tant que tu as un abisso, tu sais qui encore son nom. Non, Salomon, tu sais qui est un abisso comme un politique et tout ça. Aux hommes, il s'est abîmé à un apécié mbote sigazali. Aux hommes, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de perquisition chez eux dans le palais. Il y a un plan. Alors, il y a un et belle bavana qui en fait nion ce zone les canapé parti oriental en mboka na biso va tirer les ficelles ngo baza a wana Kinshasa. Maintenant comment les démanteler? Bozomo, il faut maintenant que ba service na biso ba linga pena mboka. Très bien. Bozomo, ba linga pena mboka do ba sam na boulot ya boulot. Pour que te démanteler loco. Mais pour l'armée na biso récupérer ba biloko wana. Ba parti e kei. Président Kara Solo. Monsieur le président, Solo lana ba homologue no oyo bozana ba même moral. Mengana osengo ka conseil moko. Nations Unies tia bango 12. Union africaine 12. Kolanda bango te parce que 6 ans mobimba talande ba lekisi autant. 6 ans mobimba. Je vous ai toujours dit il n'est pas tard de faire bien les choses. Tika bango na biloko na bango na concert na bango. Adapter, tient en place une ligne diplomatique mususu oezo kenda na bato bo na bango même moral. Na tangi awa le président sud-africain. Na tangi awa Idriss Déby. Na kanisika ka so bango mi balé ba ye kimie kokota kuno. Très bien. Mobutu l'a fait aussi. Awa na guerre ya Centrafrique. Na ben oui. Na Centrafrique, na Bangui. À part avant que tu Bangui,
Pour Rwanda, Mobutu s'est tongi déjà armé. Armé vendit si court. Mais bah, avant que Mobutu s'est sa tongi armé, et bah, Ndoro Yinda toujours na Shaba. Et bah, Ndoro Yinda. Mobutu Katanga aujourd'hui. Bah oui. Eduardo Monko Oyazaki Nangola, c'est de l'histoire. Eduardo atinda plus de 2000 militaires na Shaba. Abi Mobutu le roseau soutenir sans vimpi. N'a pas créé le rebelle pana. Rébellion. Ah, ah bon. Ah, le bon bout, tu as dit que tu n'as pas sans vie. Et selon Eduardo, vous avez déstabilisé Zélan à peine. Plus de 2000 militaires à Tiki Bangoa. Mon bout, tu as dit militaire n'a pas quitté. Il a recouru na Maroc. Est-ce que tu as fait là? Ba PC mapinga ba ye ba bunditi bangolais na ba kokite ba kei. Très bien, c'est de l'histoire mon cher ami. On ne vante pas la roue tant yo moko mekio mekio monique moyenté organisation sous régionale bango nyos balaxi ba limite na bango redéfinir maintenant politique nous soit proche nous. Très bien, na ba no kota soit en contact na ba mbana mai na nga auto beta na bango bien. Voilà, des très bonnes propositions faites par Maître Claude Ngoma, qui était notre invité spécial de ce vendredi 12 en direct du plateau de Kinshasa, parce que nous avons maintenant des plateaux. Il y a un plateau au niveau de Kananga en direct, là où se trouve le 001. Stéphane Balamwang et le Oazalendo Aigle qui produit des émissions de ce côté-là, et nous sommes à Kinshasa et c'est la deuxième édition de Kinshasa. Et après cela, et vous allez aussi suivre un grand direct vers 17h-18h avec Joël Kitenge, et vous allez continuer à suivre des analyses, des interventions, surtout les actualités concernant la République démocratique du Congo. Matondo Mingi, Maître Claude Ngoma. Oui, merci Mingi Ngandem, na remercie yo. Metika na passé message moko. Na silisi livre nanga na zako koma. Oeza intitulé plaidoyer sur la sécurité en RDC. Oto utiko betawa. Eza bako publié ango, je crois, d'ici 2 mois aux éditions L'Harmattan. Isa beaucoup moka munene na zimwa mayele na ngai na ti en place pour na contribuer na marche ya république. Isa beaucoup moko ezinga 2 ans et demi ya ba recherche, parce que na kei na banalize belendenge na uti ko sala wa na zui approche ya Darfour, le conflit militaire au Darfour ndenge ni nekenda ki ndenge ni basali ti na ba risque na ngonyo so ko sala lelo Soudan et Kabwani Mibale. Na kei sou souti na Ghana, kota la pe, kozwa pe expérience, y a ancien président ghanéen pe à son âme, de reuse mémoire, Jory Rawlings, na zui pe kuna, na yel sou pe na Angola, expérience y a conflit militaire angolais, ou y a Sanvin Pina Eduardo. Et puis comment les Angolais, tant ou babimi, na cycle en insécurité, comment ils se sont stabilisés. Et finalement, na yel pe korekourir na expertise, il y a Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, na ba plaidoyer à Salaki de 2001 à 2003. Potokoka, kozwa moi kimia et même ambition de la Santiti. Donc vraiment, surtout dans la période wana, j'ai remercié en tout cas le président Vital Kamerhe. Il avait vraiment mouillé les maillots. Il était à Lusaka, Zambie, partout en tout cas, il était. Et Nazub expérience naie wana na celle ba recherche naie nango na ti en place. Et puis j'ai travaillé encore un peu avec la MONUSCO na département bibliothèque na bango, et tout travailler na bango. Donc c'est vraiment un livre intéressant oyo et ça li banalise, et puis si ba piste de sortie. Et il y a déjà un titre concernant le livre. Oui, c'est ça ce que je dis, le plaidoyer. Le plaidoyer. Plaidoyer sur la sécurité en RDC. Non, mais voilà. Voilà, donc c'est ça un peu. Ouvrage n'a tient en place, mais nazo sengande batua bonne volonté. Olo bakoki ko sungangai pour na vernissage na yango. Et sokoko permettre na pe sa numéro. Oui, oui, parce que. Je vais contacter ngai parce que vernissage na yango, je voudrais à ce que. Ezala vraiment. Décider et belé baya.
Voilà. Dans un endroit un peu VIP, voilà. Invités, des autorités, baya et comme ça. Donc, les apports n'ont pas été. Alors, ta bonne volonté, ceux qui sont là, numéro Nangaï, est à 09 98 71 55 42. Plus 243 9 98 71 55 42. Voilà, bonjour, Ngamoko en personne. Et peut-être s'il y a d'autres questions relatives à cet ouvrage, je ne manquerai pas à vous donner de plus amples détails. Merci. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma, écrivain à Bandiko Koma. Merci beaucoup pour cette très bonne idée. Merci, Nabandiko Touba Talibiso. Si vous venez de rater peut-être le numéro de Maître Claude Ngoma, l'écrivain congolais, beaucoup contacté Jésus Yankole, na numéro Obino Boyebi, +243 81 57 20 388. Soutenons plus la pensée congolaise, bateau basant à patriotisme et il le mérite sous forme de la méritocratie. N'engue te l'obara na tango ko KRDC, yako sala, yako loba, yako créer des stratégies et eux qui ko payer peut-être pour la bonne marche du pays et créer aussi la paix à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre très c'est très important. Contactez-nous par ces numéros-là. Nous allons vous mettre à la disposition à Maître Claude Ngoma, aux en France, aux en Belgique, aux en États-Unis, aux en Canada, aux en Angola, en Afrique du Sud, aux Alliés, partout. Vous avez besoin de soutenir cette œuvre et à Maître Claude Ngoma. Contactez-nous par le numéro que je viens là de passer. Si vous ratez Maître Claude Ngoma, appelez Jésus Yankole ou encore appelez Naba numéro Zali Koleka. Nous allons vous guider pour atteindre Maître Claude Ngoma. Merci beaucoup à Max KBC qui nous a réalisé et merci beaucoup Naba Ndeko Touba Talibiso et Bozae Bele Makasi Moyana Tanga Bakombo Nabino Zalete Namoni na France Wana Ndeko Nanga et JC Mala toujours na France Namoni Ndeko Jonan Santimba Talamaku. Merci beaucoup na Kinshasa na Madame Sophie Kiboba au niveau ya Canada na Ottawa mon cher ami Congolais de moins au Congo mais de plus au Canada, il s'appelle le Trésor Djamba na Pesio Mbote ou encore na Lille na France na Moni mon vieux Jean-Marie Pongi Pongi avec Hemen Service comme société. Vous avez belé makasi na Congo central na Mwanda na ko akotanga bino non sauté et singo na misu zali tous ala ini to chama boko e pa mo konza mboka to sili sa problème o ezali ko mela makasi kabila tikela biso ngo comme héritage. Merci et surtout à la prochaine. Il est 3h45, nous tendons vers 4h du matin. Il est inconcevable que dans une ville touristique où il y a tout un gouverneur, un général, il y a le maire de la ville qui est un colonel, un policier, il y a le commandant région, il est aussi un général, il y a le général Falsi Kabo, le commandant des opérations militaires, et que nous puissions dire depuis 1h du matin jusqu'à 4h, dans des crépitements de balles, il n'y a aucune intervention militaire. C'est pourquoi, aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024, toute la population de Goma, bannissons la peur. Nous allons nous rendre au gouvernorat pour que le gouverneur Peter Chirimwami nous explique le pourquoi de ces crépitements de balles dans toute la ville de Goma. Il est inconcevable. En tout cas, trop c'est trop. Ça n'est trop. Il n'y a aucune intervention militaire jusqu'à... Tangwe kokiyo yo yo.